Bonjour à tous les amis et bienvenue, donc c'est Ren Black, j'espère que vous avez passé un bon lundi, même si c'est une journée de merde dans l'ensemble, enfin pour beaucoup d'entre nous, mais bon, des fois le lundi c'est des bonnes journées, mais c'est vrai que c'est assez rare. Par exemple hier était assez chelou. Bref, en plus là il y a mes parents qui sont partis me chercher le boîtier PC, puisque c'est le truc final qui me manque pour la config, puisque j'ai reçu les éléments manquants ce matin, vers 10h. Et donc il me reste que le boîtier et les câbles custom de chez Cable Mod. Donc voilà. Sachant que les câbles de Cable Mod, je vais les recevoir jeudi ou vendredi, pas avant. Donc dans tous les cas, je pourrai attaquer mon PC que ce week-end pour le montage. En plus avant, il faut que je fasse la vidéo des produits où je vous montre tout ce que j'ai acheté. Ça va être galère. Parce qu'en fait, je suis obligé d'attendre le week-end puisque je suis tellement occupé la semaine. Que je peux pas le faire. Toujours un truc à faire la semaine. Du lundi au vendredi, je suis occupé de ouf. Parce que le matin, le lundi mardi, le matin c'est les vidéos, c'est les let's play. Ensuite l'après-midi c'est le montage. Ensuite je les mets, je les upload et c'est déjà la fin de journée. Donc après il me reste plus beaucoup de temps pour moi, on va dire. Le mercredi matin, je cherche des mods sur Skyrim et l'après-midi je vais sur les Sims 4 pour faire des screenshots. Parce que je fais des séances photos sur les Sims 4 pour les mettre ensuite sur mon Patreon. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai deux pages Patreon où je mets des Sims 4. Je les fais moi-même. Et les gens me payent pour les télécharger. Donc si ça vous intéresse, allez-y faire un tour. J'ai mis les liens de toute façon. Vous allez sur ma chaîne YouTube et vous avez un petit cadran Patreon en haut à droite. Vous cliquez dessus, ça va vous mettre sur ma première page Patreon, pour ceux que ça intéresse. Donc, on va s'intéresser au jeu d'aujourd'hui, donc c'est The Beast Inside, on va continuer là où on s'était arrêté. On avait fait tout le passage de la mine, où on avait échappé aux espèces de fantômes, qui se multipliaient en plus au fur et à mesure, donc c'était assez galère. J'ai passé une heure à leur échapper. Au début, on avait un seul, ensuite il y en avait deux, ensuite trois, ensuite quatre. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Donc, et on est toujours avec Nicolas. Voilà, donc celui du passé. Me voilà enfin dans la mine, mais quelque chose m'a suivi. Ce que je sais, c'est qu'il n'avait pas l'air humain. J'ai réussi à le semer en cours de chemin. Et moi, je crois. Je dois oublier ça, je ne peux pas perdre mon temps avec ces hallucinations. Mon père, le détective, la mine. J'espère trouver quelque chose ici. Et j'étais plutôt content de m'être échappé enfin de ce. Ça va, au niveau des FPS, ce jeu-là galère moins que Song of Horror d'hier. Parce que hier, c'était un vrai calvaire sur. Ah, on entend encore les monstres. À travers les murs, c'est trop bizarre. Ah ben on avait déjà vu ça. Et j'étais tombé. Vous vous souvenez de la fin de la vidéo? J'étais tombé. Attendez. Voilà. J'étais tombé où comme un connard? J'étais tombé là. Faut le faire, hein. Bastard! Hein? Oh non! I have to run. If he so much as touches me, I'll freeze to death. Je vais geler à mort. Oh ma mère. C'est hyper chaud. Oh bordel. Par contre, je me suis détruit les oreilles. Les aléas du clavier. C'est de la merde. Parce qu'en fait, on peut pas se turn vite avec la souris.
Et ensuite, la tournée pour la manivelle, là, je me suis trop. Ce connard, il a appuyé sur tab. Sérieusement. Bon, ça va, heureusement que les chargements sont courts. Mais par contre, je vais baisser, parce que je me suis détruit les oreilles avec le son, avec les booms là qu'il faisait. Je vais remettre le son après, hein, vous inquiétez pas. Ah, ça nous remet là? Nique ta mère. Ah, merde. Il couvre les deux tunnels! Les deux tunnels, fils de pute! Si tu sais pas où aller, excuse-moi. Moi, je vois la lumière d'un côté, je vais de l'autre. Comment savoir que les deux étaient pris? Faut que je regarde Super Solus. Eh ben non, je regarderai pas. Oh non, ils me remettent à la porte! Ah, j'ai foiré. C'est la précipitation. C'est la précipitation. On ne s'y attend pas. Qu'il y a un putain de QTE, on ne s'y attend pas. Je ne sais pas garder mon calme dans ce genre de situation. Il y en a qui y arrivent, mais pas moi. Oh! Oh! What? Ah, c'est le bordel! Il n'y avait pas le truc pour tourner et elle t'a le. T'as l'ennemi, il est venu comme ça, tchac! Il a volé sur le mur. Bon, ok. On va dire que c'était le chargement, j'ai fait trop vite pour reprendre. C'est la première fois que ça me fait ça sur ce jeu, des bugs. Le truc il tourne pas! Pourquoi il tourne pas, bordel? Putain, je viens de commencer et je suis déjà dans la merde. C'est quoi le truc où j'ai arrêté? C'est buggé, regarde, je... Regardez-moi ça! Ils sont trop proches! Clic gauche au lieu de clic droit. Respire. Ça va passer. Vu le nombre de fois où je suis mort, je m'en balèque. Franchement, ça fait plus peur. La peur s'est envolée. De ma gueule. Mais alors ça. Si je m'y attendais. Is his weakness. If I can hit him there, all be over. Hey, qu'est-ce que tu fais? Thank you.
Tiens, fils de pute. Tu veux quoi, mec? Oh, il a buté. I told you to get out. Pourquoi il met? Ah, putain. Mais pourquoi je... Pourquoi tu prends pas ce qu'il t'a donné? Espèce d'imbécile. Putain, le mec il t'aide, il te donne le cœur et tu le prends pas, quoi. Donc ma recherche de l'intrus s'est soudainement transformée en cauchemar, et m'apprêtant que j'étais perdu dans les bois, pendant 6 heures, pour aggraver les choses, quelqu'un est entré par effraction dans mon bureau et a volé les télégrammes. En suivant le voleur, j'ai fini par découvrir la terrible vérité. Nous sommes surveillés depuis longtemps. Les soviets, ils savent tout, le moindre détail. Tout cela devient de plus en plus compliqué. Je commence à croire que Nicolas n'avait pas, en réalité, perdu la tête. Lui aussi était traqué par quelqu'un dans le moindre de ses pas. Mais lui, il est traqué par quelqu'un qui veut l'aider. Enfin, au début, il voulait le buter, et maintenant, il veut l'aider. Ou alors, il veut l'aider depuis le début du jeu. Le mec au chapeau. Parce qu'il n'était pas... Il nous a jamais coursé, en fait. Quand on regarde bien. Donc, non, il est de notre côté, quoi. Par contre, il est vraiment con. Hein. Le mec, il lui fait... Tu finissais ce que vous avez commencé, il lui donne le cœur. Il se barre en courant. Alors, ok, t'avais pas envie de mourir, parce que ça allait s'effondrer, mais prends au moins le truc avant. Moi, j'aurais fait merci, puis je me taille. Donc là, on va retourner avec le personnage ennuyeux, c'est-à-dire celui du présent. On va essayer de faire tout son chapitre pour... comme ça, la prochaine fois, on fera le chapitre d'après. En fait, ça dépendra si ce chapitre-là est long ou pas. This is the bottom of some fucking well. How do I get out? Je vois où ils veulent en venir. Après tout, il est mort. Il sentira rien, il est déjà mort. Âme sensible, regardez pas. Regardez pas. Ah, c'est dégueulasse. Je savais pas qu'une main, ça se coupait aussi facilement. Comme du beurre. Bref, chapitre 9, réunion de famille. Bah, je sais pas c'était qui le pauvre type, mais en plus d'être de plus avoir de tête, il a plus de main. Bref. Alors jeter la pierre. Faut la jeter sur le truc. Génial. C'est pas avec ça qu'on va réussir. Désolé Kevin. J'ai cru que le jeu avait bugué. Par contre les menottes sont buggées.
quelqu'un va nous attendre en haut, je sais pas pourquoi. Fuck, the plank is gonna break. No. Alors faire attention aux touches. Au moment où je dis ça, il va falloir faire attention aux touches. Et j'appuie sur la bonne. Il y a eu encore le cri du mec. Non mais sérieusement, j'appuie sur la bonne touche, mais ça le fait pas, ça m'énerve. Les QTE, c'est cancer dans les jeux. Hein. C'est... Je suis un poissard des QTE. Mais j'ai... En fait, j'adore quand il y en a, mais j'aime pas les faire. Enfin, j'aime pas quand ils sont trop chiants à faire. En fait. Par contre, les QTE, par exemple, de Rise Son of Rome, là, je les aime bien. Parce qu'une fois que tu les as retenus, tu les connais par cœur et tu arrives à les enchaîner. Alors que là, tu sais pas sur quelle touche tu vas tomber, à quel moment, à part si tu as déjà fait le jeu. Et moi, c'est pas mon cas. Parce que moi, je fais tous les jeux en même temps que mes vidéos, quoi. En même temps que je vous les montre. Parce que sinon, il n'y aurait pas de surprise. Pour moi. Par contre, celui-là, il est très très long, donc il va pas falloir mourir des masses. Je vais prendre mon temps. Fuck, the plank is gonna break. Son temps. Il y avait les clés des menottes, mais il les a pas balancé ce bâtard. Pas c'est qui l'a envoyé là, mais c'est un bâtard. Ah ben on s'est retrouvé dans le puits avec le mec qui habitait là en fait. Vous vous souvenez ou pas? Ah, attendez, il y a marqué quoi? Ah, j'ai pas eu le temps de lire, chier. Fermé. Vous vous souvenez, on a fait l'énigme dans sa maison là. Avec les lumières et tout. C'est là qu'il faut aller. Moi je pense. Il n'y a pas trop de chemin de toute façon. Par contre, sa meuf, il la laisse toujours toute seule, c'est un truc de malade. Genre, elle est toute la journée toute seule, la peau. Lui, il fait n'importe quoi. Elle peut crever, il s'en balance. Bah, très très loin. Hein. Je pense très très loin. Heureusement qu'on a une carte. Non, on en a pas, non. Je sais pas, en fait. À gauche ou à droite? Ça nous aidera pas, ça. Ouais, je vais toujours à gauche. Ne demandez pas pourquoi, je vais toujours à gauche. Dans les jeux. Il va falloir crever. Ouais, c'est le bon chemin. Je me souviens du pont. Il y a un truc par terre. Une torche. Prends-la. Prends-la. Oh, con. Tu fais chier, mec. Qui a laissé tomber une torche? Oh. Je dois retraverser ça. I've left my wife alone and there's a maniac on the prowl. I just hope she's all right. Ouais, t'inquiète. Bah, je l'ai retrouvé sans... Sans galérer, en fait. Pour une fois. Emma! Where is she? Le mec, tu viens de rentrer, calme-toi, calme-toi. Oh, bonne femme. Est-ce que tu te caches? Il doit être dans sa chambre. Si je la trouve. Coucou, coucou. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, ça va, j'ai pas trop galéré. Il est venu ici encore. Cette fois,
What happened to you? T'allais te dessaper ou quoi? Why do you look like this? I slipped and fell into a stream. I'm all right. He's come back. You hear me? He keeps harassing us. The phone doesn't work. Maybe he cut the wires or... The important thing is he didn't do anything to you. But he could have. Look what I found. God. I'm sorry. I shouldn't have left you alone. Did you meet the sheriff? No, I must have missed him. I found the telegrams, though. And believe it or not, the diary I told you about... Diary?! Nicholas's diary. It'll help me decode them. I just need to find the remaining pages and then... You're doing it again! Someone wants to kill us, and all you're worried about is work? Why don't you think about me? About our child? I do think, all the time. Then do something to keep us safe, and do it fast. It'll be over soon, I promise. Emma's on edge. She needs to calm down. I better check what the sheriff was up to. Luckily, I've got his car keys. En même temps, mec, t'es pas trop rassurant comme type. Par contre, je me rappelais même plus qu'elle attendait un gosse. Première nouvelle. C'est vrai qu'il y a une voiture de keuf, on sait pas pourquoi. Depuis le chapitre de... je sais pas combien, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre, déjà? Rien. Ils n'auront jamais eu la chance d'écrire ce rapport. La personne qui a transformé notre vie en enfer a aussi apporté une fin brutale à celle du shérif. Ah, c'est vrai qu'il est mort. C'est un briquet. What's this? In the late 19th century, the Hyde family, in order to avoid further association with the accusations against Jacob Hyde, legally changed their name to Stevenson. What? What the fuck? Am I supposed to believe that my family and the Hydes are one and the same? That's fucking absurd. Someone would have told me if we had such stories in our family history, wouldn't they? Unless it's bullshit. Bullshit invented by the sheriff. He wanted to set me up, mess with my head. Was he even a real sheriff? Fuck, I seriously can't put my finger on this. Tu deviens trop parano, mec. La police soupçonnait Jacob Hyde d'avoir tué John Norton, puis le fils de Jacob, Nicolas, était placé en traitement psychiatrique. Il a mentionné avoir passé 10 ans loin de la maison. Je ne sais pas exactement où avoir vu ça avant. Je sais que c'était quelque part dans la maison. Bah oui, c'est la cheminée. Another secret. A hidden room in our house. I have to check it out. That fucker could have even been there when we moved in. Too bad I didn't know about it before. Déjà, j'avais grillé le truc caché. J'avais grillé le mécanisme dans le chapitre... En tout cas, j'avais grillé bien avant. Allez, après, on fait comment? La partie du texte est invisible. Comment le lire? Oh. Une putain d'énigme. Ah merde, attendez. Résolver l'énigme près de la cheminée. Comment on fait? Oh, 1164 AD. Comment on tourne celui-là? Ouais, on peut pas tourner l'argenté, on peut tourner que le doré. Ok. C'est bon à savoir. That number sequence isn't random. Et merci, je sais. Corresponds to one letter. Chacun correspond à une date. 1773 plus C, 1823 plus M, 410 N, 1307 D. Je dois les remettre dans l'ordre. On en est vraiment à ça. Mais écoutez, on va essayer, puis si c'est pas ça, et ben rip. Déjà, il n'y a pas le i. Donc ça commence très mal. Il n'y a que des lettres qui ne sont pas marquées. Là, c'est pour pas que ce soit trop facile. Ah ah ah.
Ils essayent de nous feinter. Ah, bravo. Allez, regardez ce putain de livre. Alors. C est égal O. Bon à savoir. ensuite, c'était... ensuite, c'était en... Je vais regarder. Parce que j'ai de la mémoire, mais il faut que je remate. CMNDTI. Donc O. Le D, il est tout, il est en numéro 1 et il est relié à... Je suis sans fil. Il est relié au N. Qui est égal à un R. ouais, bon, on va devoir mettre un R. Oui, parce que c'est la seule lettre disponible. Donc, O. Si on récapitule, O. Ensuite, on laissera un trou. Ensuite, Q. R. On va déjà faire ça. Ah, ça me saoule, ça n'a aucun sens. Je crois que j'ai enfin compris. 823 plus M. En fait, j'ai fait n'importe quoi. 823 plus M. Il est où le M? Oh, il est tout en bas. 410 plus N. Putain, j'ai l'impression d'être à l'école. Ça me gave. 410 plus N. Là. C'est un O. Merde, j'ai pas regardé. 307 plus D. C'est un I. Et c'est déjà dessus. 1791 plus T. C'est un S. Et 966 plus I. C'est un M. Bingo. That was well thought out in the... Ah! Sans avoir besoin de faire Solus. Putain. Quand on fait creuser ses... son cerveau. La preuve que je mens pas, hein. Il n'y a pas de page ouverte sur mon téléphone. Hein. De toute façon, ça se voit que je me prends la tête dessus depuis tout à l'heure. Hein. Sinon, j'aurais fait beaucoup plus vite avec une Solus. Regardez, ma page internet, elle est sur ma... Elle est sur la commande de mon boîtier. Donc, voilà. Et il n'y en a pas d'autres d'ouvertes. Hein. J'ai qu'un seul onglet. Regardez le 1. Voilà. Bref. Le mec, il est fier d'avoir trouvé tout seul. C'est pas souvent en même temps. Ce n'est pas une simple babiole, on dirait qu'elle pourrait rentrer quelque part. No, just put the apple in the right place. Elle se met où la pomme? Ah, je l'ai repris. Okay. Elle se met où la pomme, mec? Ah, sur la statue. Oh! Ok. C'est un grenier caché, carrément. Oh là là. C'était fait une chambre ici, lui. On va fouiller toute sa broche. Hein. Ce que je rencontre ont deux visages. L'un est humain et l'autre est le visage d'une bête. Ah ah! C'est pour ça que le jeu s'appelle The Beast Inside. Je fais de long voyage sans même bouger. Il est fort, lui. Menteur, voleur, assassin, faussaire, monstre, sadique. Lui et moi, d'accord. Nous avons tous deux vu à travers un trou dans le mur ce que mon père a fait à cette dame. Intéressant. The man in the mask. Now I know who he is. What the hell is that? Merde. Nicolas est enfermé dans une pièce sombre par son père et maltraité mentalement. Oh, oh la flemme de tout lire les gens, hein. Je suis désolé, mais là... Je serrais mes poings avant qu'il réduisait tous les dents en bouillie. Ah, il aimait pas son père, hein. Ah ouais. Vu la misère qu'il lui faisait, c'est un peu normal. On toque à la porte.
Ah, je peux pas passer. Allez, je regarde qui c'est. Qui c'est? Je suis prudent. Et pourquoi tu ouvres? C'était sûr. Oh, on change déjà de personnage. Ça va pas durer longtemps. Bon bah, on va pouvoir s'arrêter du coup. L'homme au masque, je sais qui il est maintenant. J'ai compris quand il est venu à mon secours à nouveau, il est mon père. Ah. Quand le détective est mort, il s'est transformé en un fantôme de glace qui a failli m'ôter la vie. Le givre a écorché mes mains et mon visage et les stalactites visaient mon cœur. Et mon père, caché derrière son masque et son chapeau, est venu à mon secours une fois de plus. Il est apparu et a disparu comme un fantôme. Est-ce que ça veut dire qu'il est mort comme les autres et que maintenant il essaie de me protéger depuis l'au-delà? J'aurais dû le reconnaître plus tôt, ses vêtements, son chapeau. Ouais, t'es con. Mais il était la bête noire de mon existence quand il était en vie. Alors pourquoi est-il de mon côté maintenant? Ouais. Bah parce qu'il a attendu de mourir, enfin de devenir un fantôme. Pour se réveiller, quoi. Il a attendu d'être fantôme pour changer. Ça arrive. On va faire le début. Parce que je pense que la vidéo est assez courte. On peut faire encore 2-3 minutes du fait que j'ai passé beaucoup de temps sur l'énigme. De toute façon, il y aura une cinématique. The man in the mask. It's him. My father! Why is he protecting me? What is he trying to tell me? Le 9 était assez court, hein, du coup. Ah bah, il est mort. Hein? WG? C'est ici que Gilman a mis fin à ses jours. Il n'a jamais rencontré Maria. Tiens mec, je te rends ça. Il s'est perdu dans la mine et mort avant d'avoir pu rencontrer Maria. Quelqu'un est là, quelqu'un m'a suivi dans la mine. J'espère que j'arriverai à le semer. Dès que je sors d'ici, j'irai voir Maria. Elle a dit qu'elle vivait dans une cabane près de la rivière, non loin du marais. What secret of the hides? What did we hide? It creeped out at night. But what and where? I don't get it. What does it have to do with the missing people and the accident? I must talk to that woman. Especially since the detective couldn't write down her testimony. It's been 10 years. I hope she's still alive. Oh, un problème avec ça. Bah, c'est nous qui allons rencontrer Maria. Voilà. On va lui rendre visite. Par contre, on doit traverser un marais, du coup ça me dit rien. Ça va encore partir en course poursuite. Vu l'environnement et comment c'est disposé, je la sens venir. Je la sens venir à des kilomètres. Par contre, j'aurais pas à me diriger, donc éviter quoi. Ah, merde. C'est contaminé. Faut pas y aller. On adore traverser les marais. Les amis, vous allez rire. Mais je crois qu'il faut traverser le truc contaminé. Ah! Ah, mais c'est dégueulasse! C'est pire que le corona, cette. Les marais toxiques! Ça va être le nom de la vidéo, peut-être. Si je trouve pas autre chose. Ah, sa mère! Putain, j'ai cru que quelque chose était sorti pour me courser, pas où? On dirait qu'on est dans le bayou, là, tu sais. Comme dans Mafia 3. On est dans le bayou, il y a des crocodiles partout autour. Again, I can hear someone who's not here.
It must be the woman who wrote to the detective. Bon bah Maria, ce sera dans la prochaine vidéo. Hein. Je pense qu'on la rencontrera pas dans celle-là. C'est dommage. Vous verrez pas à quoi elle ressemble. De toute façon, ça doit être une vieille peau. Hein. Y a pas de secret. Ah. It looks like there's something in the water. Something big. Ouais. I should stay away. Tu l'as déjà dit qu'il y avait quelque chose. Ah mais on est obligé d'y aller, les bâtards. Comment on fait pour passer alors? La prochaine fois, je sens que je vais en chier. On va affronter le monstre marin, entre parenthèses. Ça se trouve, c'est l'esprit de Maria qui nage. Bref. Donc, n'hésitez pas à me chier le petit à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais regarder pour la prochaine fois Super Solus, puisque exceptionnellement, je vais regarder la Solus pour voir comment passer dans l'eau, puisqu'on est obligé de traverser. Mais comme elle arrête pas de faire des cercles toutes les deux secondes, je vois pas le laps de temps où le faire. Voilà. Donc, je vais regarder la Solus. Et comme ça, je serai paré pour quand je vais reprendre la prochaine fois. Donc là, déjà, on a fini le chapitre 8, on a torché le chapitre 9, et on a fait le début du 10, un peu. Bon, la vidéo doit être plus courte que d'habitude, mais c'est normal, du coup. Ils disent qu'en fait, il faut juste attendre que la créature bouge loin à gauche, et alors il faut sauter, et continuer à sauter en même temps de bouger. Et ils disent qu'on peut aller en face, apparemment. Attendez, on va voir. Ah oui! Et je viens de me rendre compte avec la Solus que qu'il nous reste que 3 chapitres. Il y en a 13. On est déjà au 10. Par contre, le 10, je vois là, il est assez long. Hein. Bref, on va essayer de le finir dans la prochaine vidéo. Mais ça m'étonnerait que je fasse tout ça dans la prochaine. Hein. Si vous voyez tout ce qu'il y a à faire dans le 10, là. Bon, avant de finir, on va se taper un délire. On va essayer de traverser. Ah, je suis passé. Oh, j'ai transpiré du cul. Non, je déconne. Oui, les amis, tout est une question de timing. Bref, j'arrête de me la péter. Donc, salut les gens. Je vous dis à vendredi pour une vidéo de Skyrim. Et voilà.